Lyon, à Paris. Les choses se passent pas comme prévu, hein, parce que je ne vais pas les raconter. J'avais prévu que Sarkozy, Juppé, ça va dégager, puis après Hollande s'en irait tout seul, puis que Valls se prendrait une tôle pareille. Je veux dire, toutes les révolutions commencent comme ça. Et la révolution citoyenne, c'est pareil que là. Ça commence par un moment où l'ancien système n'a plus pied en lui-même. Je fais pas semblant d'avoir une doctrine révolutionnaire. D'accord ? Je fais pas semblant. Alors des fois, je fais semblant de parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a de la violence en moi ? Mais oui, mais vous la trouvez... Mais ça vous perdra, c'est ça ? T'as vu ça ? T'as vu ? C'est dégueulasse, c'est ça. Allez, on s'en va. Au revoir. Tous les jours, ça se trouve, ce type est au pouvoir et vous êtes au courant de rien ? Tu aurais imaginé, il y a encore 2-3 mois, des gens en train de crier, on va gagner dans un meeting que j'animais. 4, 3, 2... J'aurais pu te bordéliser ton plateau. Il ne faut pas vous tutoyer, monsieur Mélenchon. Donc là, les courbes se sont croisées avec Hamon, et maintenant, on s'occupe du suivant dans la liste. Le suivant dans la liste, c'est monsieur Fillon. C'est plus compliqué. Si on le rattrape, ça change tout. La République inachevée, tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout. Et rappelez-vous qu'on ne représente pas une secte, mais le peuple français. D'accord ? À partir de ce soir. Mmh. Ouais. Collez-vous le bien dans la tête, ça va vous donner du... de la respiration. Et sinon, ben, on aura bien travaillé, et puis voilà.